La Bible déclare que sa main n'est pas trop courte pour vous atteindre. Madame, Monsieur, chers jeunes, vous qui êtes ici au Mangarizim, chers internautes, fidèles auditeurs, aimés de Jésus-Christ, bonsoir. Pendant 3 semaines, avec une grande passion et beaucoup de joie, la merveilleuse grâce de Jésus-Christ a été enseignée point par point. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Retenez cette déclaration de l'apôtre Pierre dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, Jésus-Christ. Mais nous lisons aussi dans Romains 15, verset 9b à 11a. Et je lis ceci, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, verset 11, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Je voudrais, au nom de l'Église Mangarizim, et singulièrement du ministère personnel, remercier spécialement ce soir le ministère des communications, vraiment une grosse machine, avec son leader Herba Antoine, renforcé par une autre équipe audiovisuelle coordonnée par Eolier Daniel. Et c'est une belle équipe avec son épouse Eolier Nadine. Et Dieu sait comment elle a œuvré et mis son cœur à l'ouvrage. Et puis bien sûr les autres, Bouville Joël, Joseph Angélique Alain, Del Jean-Claude, Toussies Rony, vraiment, merci. C'est tout ce que j'ai comme mot le plus fort pour vous remercier de votre contribution. Je voudrais aussi remercier tous les chanteurs, les chanteuses, les groupes et musiciens, bien sûr coordonnés par le ministère de la musique avec son responsable Salvador Miguel. Toutes celles qui vous ont accueillis tous les jours inlassablement, je veux dire Julien Ange-Marie, Rochement Marie-Claude, Kenneth Jocelyne, deux fois Marilyn, Tino Kelly. Je voudrais aussi vraiment remercier le service d'ordre avec son responsable Éric Claveau, les coordinateurs Salvador Miguel et Éric Defoy, bien sûr Salvador Bernard. Et je ne voudrais pas oublier tous les internautes YouTube, etc., qui ont suivi, qui ont été sur le chat pour féliciter, etc. Vraiment, merci. Bien sûr, on ne peut pas oublier de féliciter, de remercier le prédicateur Christopher Lockhart et le traducteur Medef Harry. Je ne peux pas oublier aussi le ministère de la prière conduit par Marie-Louise Marise. Surtout, l'honneur revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les mots me manquent pour lui dire merci. Dieu est bon. Et dans toutes les difficultés, Dieu nous a montré sa présence et sa grâce parmi nous. Et c'est lui, je parle de Jésus-Christ, qui vous discernera la meilleure des récompenses au moment venu. Mais je ne voudrais pas manquer de vous dire, à vous qui êtes ici, vous qui avez œuvré,
tout le monde, je vous donne rendez-vous déjà mercredi pour un moment de louange. Ce mercredi-là, tous ceux que je n'ai pas nommés, parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont dans les endroits cachés qui œuvrent, mais nous avons rendez-vous ce mercredi pour vivre ce mercredi à 19h, 17 mars, pour vivre et exprimer notre reconnaissance à Dieu, un moment de louange spontané. Et je n'oublie pas de souhaiter à tous une bienvenue. L'émotion monte, mais j'essaie de le maîtriser parce que je me dis, c'est le dernier jour. Mais il y a un moment où nous n'allons plus nous séparer avec Jésus-Christ. Bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Tu es venu quand même. Fallait-il que tu nous aies? Mais tu es venu quand même. Fallait-il que tu nous aies? Tu savais bien qu'en venant, ils allaient te rejeter. Tu savais qu'en descendant, qu'ils allaient te crucifier. Mais tu es venu quand même. Fallait-il que tu nous aies? Mais tu es venu quand même. Fallait-il que tu nous aies? Pourtant au ciel tu étais, entouré par tous les anges. Et depuis l'éternité, ils célébraient tes louanges. Et seront avec les anges pour célébrer ton amour. Mais tu es venu quand même un jour pour célébrer ton amour. Et tu n'as pas hésité. Toi qui étais parfait à être séparé de ton Père, à porter le poids de nos misères, le péché de la terre, de la terre. Tu sais pourquoi? Maintenant, nous sommes des fils de Dieu, fils de Dieu. Toi qui nous as rachetés par ton sang si précieux. Nous serons avec les anges pour célébrer ton louange. Nous serons avec les anges un jour
pour célébrer ton amour. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous serons avec les anges un jour pour célébrer ton amour. Le moment est arrivé pour nous de mettre ce programme sous la direction de notre Dieu et nous allons l'invoquer. Je vous invite à prendre la position appropriée pour cela. Père éternel, Dieu trois fois saint, notre maître et notre roi, nous inclinons devant ta majesté parce que tu es un Dieu merveilleux, tout puissant. Seigneur, tu nous as créés. Et par ton Fils, tu nous rachètes. Tu nous as donné ta parole, la Bible, afin de comprendre tout ce qui est convenable pour que nous soyons sauvés. Tu nous as conduits pendant ces trois semaines à travers l'étude de l'Épître aux Romains. Et voilà que le dernier jour est arrivé avec un pincement au cœur. Nous sommes quand même dans la joie d'avoir reçu tant de connaissances. Aide-nous, Seigneur, à partager au maximum. Aide-nous, Seigneur, à suivre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous remettre entre les mains de ton Saint-Esprit afin que nous puissions passer de la situation où nous sommes à la situation à laquelle tu nous appelles, à savoir une complète obéissance à ta loi dans la justice. Pour la sainteté que toi-même tu nous offres. Bénis chaque internaute, chaque auditeur, chaque personne qui suit ce programme en cet instant et que tout puisse se passer selon ta volonté et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Ladies and gentlemen, good night. Mesdames et messieurs, bonsoir. It is a blessing to come into the house of the Lord and share the word of the Lord with you. C'est une bénédiction de venir dans la maison du Seigneur et de partager la parole du Seigneur avec vous. God has been good to us. Dieu a été bon envers nous. And we must give him thanks and praise for his goodness every day. Et nous devons lui dire merci et être reconnaissant pour sa bonté tous les jours. Let me take this time now to thank you for your support during the past 3 weeks. Laissez-moi prendre le temps maintenant pour vous remercier pour votre soutien durant les 3 dernières semaines. We, Pastor Medeuf and I, would like to thank our wives for their support. Donc, Pasteur Medeuf et moi, nous aimerions remercier nos femmes pour leurs encouragements, for their prayers, pour leurs prières. And we also like to thank the leaders of California Church. Et nous voulons également remercier les dirigeants de l'Église de Californie. Technical team, les différents techniciens, okay, the cameraman and woman, c'est-à-dire les caméramans et les femmes caméramans. We actually have 4 cameramen and 1 camerawoman. Je crois que nous avons 4 caméramans et 1 caméra-woman. So we would like to thank the team for being here every night. Ainsi, nous voudrions remercier toute l'équipe d'être là chaque soir. Thank to first elder of this church, Brother Salvador. Nous voulons également remercier le frère Salvador, le premier ancien de l'église. And Brother Charles Defoy. Et le frère Charles Defoy. We'd also like to thank those of you who sent your prayers, who told us that you're praying for us. Nous voudrions également remercier tous ceux et celles qui nous ont signifié qu'ils priaient pour nous. And for those of you who supported this ministry financially. Et également tous ceux qui ont supporté, qui ont encouragé financièrement ce ministère. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Tonight, I want to deal with 3 questions. Ce soir, j'aimerais traiter de 3 questions. These are the most popular questions posed whenever you deal with Romans chapter. With the book of Romans. Il s'agit des questions les plus célèbres qui sont posées lorsque nous considérons le livre de Romains dans son entier. We couldn't get through all of the chapters. Nous n'avons pas pu considérer tous les chapitres. But I'm satisfied that the fundamentals in this book, we have covered them. Mais je suis satisfait du fait d'avoir couvert les fondamentaux de ce livre. Tonight, we ask for your attention as we deal with these 3 questions. Et ce soir, nous réclamons votre attention alors que nous traiterons ces 3 questions. Let us pray. Et je vous invite à prier. Our Heavenly Father, notre Père qui est aux cieux, we pray for your blessing tonight. Nous réclamons tes bénédictions ce soir. That your Holy Spirit will speak through us. Et que ton Saint-Esprit puisse parler à travers and nous. Bless every heart tonight. Et bénis chaque cœur ce soir. And turn our attention to you. Et dirige notre attention vers toi. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. As you know, ladies and gentlemen, the law of God is attacked. Every day. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la loi de Dieu est attaquée tous les jours. Every day. Tous les jours. The 10 commandments are attacked. Les 10 commandements sont attaqués. Not by Muslims or Hindus. Pas par les musulmans ou les hindous. Not by Catholics either. Non plus par les catholiques. But by Protestants only. Mais seulement par les protestants. Only Protestant Christians attack the law of God. Seuls les chrétiens protestants attaquent la loi de Dieu. Evangelicals attack God's law. Les évangéliques attaquent la loi de Dieu. Pentecostals, Baptists. Les pentecôtistes, les baptistes. I have even met Seventh-day Adventists who attack
God's law. J'ai même rencontré les adventistes du septième jour qui attaquent la loi de Dieu. So when I say protestant, I include Seventh-day Adventists. Ainsi, lorsque je dis protestant, j'inclus également les adventistes. It's a shame, ladies and gentlemen, that it's the people of God who attack God's law. C'est une honte, mesdames et messieurs, que même dans le peuple de Dieu, il y a des personnes qui attaquent la loi de Dieu. Only the people who call themselves Christians attack God's law. Seuls les individus qui s'appellent chrétiens attaquent la loi de Dieu. And so, ladies and gentlemen, ainsi, mesdames et messieurs, we spent 3 weeks studying the book of Romans. Nous avons passé 3 semaines à étudier l'épître aux Romains. And we understand now the relationship between God's law and God's grace. Et nous comprenons maintenant la relation qu'il y a entre la loi de Dieu et la grâce de Dieu. We know what it means to be saved by grace through faith. Et nous savons qu'est-ce que cela signifie d'être sauvé par la foi, par la grâce. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, I've come to the conclusion. Je suis arrivé à la conclusion. After many, many years of researching the doctrines of multiple churches. Après beaucoup d'années en étude des doctrines de diverses églises, I've come to one conclusion. Je suis arrivé à une conclusion. That the law of God is attacked for one reason. Et c'est que la loi de Dieu est attaquée pour une raison. The Sabbath of the Lord. Le sabbat du Seigneur. That's it, ladies and gentlemen. C'est tout, mesdames et messieurs. That's it. C'est tout. All of the debate over the book of Romans. Tous les débats concernant le livre de Romains. All of the fight in the book of Colossians. Toutes les batailles, tous les débats dans le livre de Colossiens. And Galatians. Et sur l'épître aux Galates. Is always over one issue. Se trouve seulement sur une problématique. The Sabbath of the Lord. Et c'est la problématique du sabbat du Seigneur. Why am I saying that? Pourquoi je dis cela? Because the same Christians who say that God's law is abolished. Parce que les mêmes chrétiens qui déclarent que la loi de Dieu est abolie. And they say we are not under the law anymore. Et ils disent que nous ne sommes plus sous la loi. Meaning to them it means that we don't have to keep the law anymore. Pour eux cela signifie que nous n'avons plus à observer la loi. These same Christians. Et ces mêmes chrétiens. Will tell you have no other gods. Ils vous diront de n'avoir aucun autre Dieu. Do not bow to idols. De ne pas se prosterner devant les idoles. Do not take God's name in vain. De ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Honor your mother and your father. Et d'honorer votre mère et votre père. Do not kill. Do not lie. Do not steal. De ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler. Don't commit adultery. De ne pas commettre d'adultère. They will go through 9 of the commandments. Et ils traverseront 9 des commandements. Their lives are adjusted according to 9 of the commandments. Et leurs vies sont ajustées selon 9 des commandements. And the moment you talk about the Sabbath, et au moment où vous parlez du sabbat, suddenly God's law is abolished. Soudainement, la loi de Dieu est abolie. I was in a taxi in New York. J'étais dans un taxi à New York. I was heading to a church to preach from Brooklyn to Bronx, New York. Je me dirigeais afin de prêcher dans une église de Brooklyn au Bronx. I took the taxi in Brooklyn to get to the Bronx. Et j'ai pris le taxi à Brooklyn afin d'arriver dans le Bronx. It was supposed to take about 40 minutes to get there. Et cela était supposé faire à peu près 40 minutes pour arriver là. But it took us 1 hour. Et cela nous a pris 1 heure. And I thank the Lord that it took us 1 hour. Et j'ai remercié le Seigneur pour le fait que cela nous ait pris 1 heure. Because in the taxi, parce que dans le taxi, I decided, well, since I'm going to be with this driver for all this time, let me tell him about Jesus. J'ai décidé que puisque j'aurai à passer tout ce temps avec le chauffeur, c'est une opportunité pour moi de parler de Jésus. So I asked him. Alors je lui ai demandé. Are you a Christian? Êtes-vous un chrétien? And he said yes. Et il a dit oui. I belong to an evangelic church in Brooklyn. Il a dit je fais partie d'une église évangélique à Brooklyn. And when he told me the name of the church and where it's located, I said to him, I know this church. Et lorsqu'il m'a donné le nom de l'église où il m'a dit où elle était située, je lui ai dit je connais cette église.
And so I began to ask him questions about what they believe. Ainsi, j'ai commencé à lui poser des questions au sujet des croyances de son église. Well, he said the usual. Ainsi, il m'a dit. He said the usual things. Ainsi, il a dit les choses habituelles. We believe in the blood of Jesus. Nous croyons dans le sang de Jésus. He's our savior. Qu'il est notre sauveur. We're saved by grace. Que nous sommes sauvés par grâce. That's it. C'est tout. I asked him about the law of God. Et je lui posais une question au sujet de la loi de Dieu. And he said, yes. Et il a répondu oui. We must keep God's law. Nous devons observer la loi de Dieu. I asked him, what is God's law? Et je lui ai dit, qu'est-ce que la loi de Dieu? He said, love God and love your neighbors as yourself. Il répondit, I told him, well, he said to me, love God and love your neighbors as yourself. Et il m'a dit, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. I said, okay, great, wonderful, wonderful. Et je lui ai dit, bien, bien, très bonne question. Then I asked him, et ensuite je lui ai demandé, I said to him, if I become a member of your church, si je deviens membre de ton église, de votre église, could I remain, could I continue to worship other gods? Est-ce que je peux continuer à adorer d'autres dieux? He said no. Il m'a dit non. You can't do that. Vous ne pouvez faire cela. I said, but why? Je lui ai dit, mais pourquoi? He said, it is wrong. It's a sin. Il a dit, parce que c'est mauvais, c'est un péché. I asked him, where did you get that? Et je lui ai dit, où as-tu obtenu cela? Où avez-vous obtenu cela? He said, in the Bible. Et il m'a dit, dans la Bible. I said, where in the Bible? Je lui ai dit, où dans la Bible? In the commandments. Dans les commandements. I said, okay, great, great. Je lui ai dit, ok, bien. In my mind, I'm thinking I got 9 more to go, 9 more questions for him. Et dans mon esprit, je me disais, I said I have 9 more questions for him. Je lui ai dit que j'avais 9 autres questions pour lui dans mon esprit. Je me disais. I said okay. Et j'ai dit ok. As a member of your church, en tant que membre de votre église, would you, if you heard me taking God's name in vain, what would you do? Si vous m'entendez prononcer le nom de Dieu en vain, que feriez-vous? He said, oh. As a brother, I will talk to you about it. Il a dit, en tant que frère, je vous parlerai de cela. I said, in my house, let's suppose I have a statue of Mary, a statue of Pope John Paul. What do you want me to do with that? Je lui ai dit, et supposons que dans ma maison, j'ai une statue de Marie ou de Paul. What do you want me to do with that? Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse avec cela? He said, oh, you got to get rid of it. Il a dit, vous devez vous débarrasser de cela. I said, all right. And I went through all of the other commandments. Et j'ai balayé tous les autres commandements. And he kept saying, oh, yes, yes, as a Christian, you're not supposed to do that. And he went through all of them. Il a dit, OK, oui, en tant que chrétien, vous n'êtes pas supposé faire ceci, faire cela. And instead of, while he was driving, instead of turning right so we could get into the Bronx, he kept driving straight. Et alors qu'il conduisait, au lieu de tourner sur la droite pour arriver au Bronx, il a continué tout droit. I said, okay, well, praise the Lord, good. I have time to finish with him. Je lui ai dit, okay, gloire à Dieu, j'ai le temps de finir avec lui. I said, so brother, are you telling me that I should observe the commandments of God? Je lui ai dit, mon frère, es-tu en train de me dire que je suis supposé observer les commandements du Seigneur? He said, well, yeah, yeah, yeah. I mean, oh yeah. Il a dit, oui, 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 oh I oui. I said, okay. J'ai dit, ok. So, what about the fourth commandment? Et je dis, qu'en est-il du quatrième commandement? He asked me, what is that one? Et il m'a demandé, quel est celui-ci? I said, it's about the Sabbath of the Lord. Il dit que ce commandement parle du sabbat du Seigneur. He said, oh, 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 that one, you could forget that one. Il a dit, oh, 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 celui-ci, tu peux l'oublier. I said, hang on, brother. J'ai dit, attends, mon frère. You just agreed that 9 of the commandments, Christians should observe them. Tu étais d'accord à l'instant que 9 des
commandements, les 10 commandements que les chrétiens doivent l'observer. What's the problem with the Sabbath? Quel est le problème avec celui du sabbat? He said, oh, that one is abolished. Il a dit, celui-ci est aboli. I said, but wait a minute. Je lui dis, mais attends un instant. The Bible said, la Bible déclare, if you break one, you break all. Que si vous transgressez un, vous transgressez tous. He said, yeah, he said, yeah. Il a dit oui, oui. So oui. That means if one is abolished, the whole thing is abolished. Je dis, ça signifie que si un est aboli, tous les commandements sont abolis. He said, oh yeah, that's true, that's true. Il a dit, okay, c'est all, vrai, c'est all vrai. Of them are abolished. Il a dit, tous ils sont abolis. C'est I vrai. Said, you can't tell me they're all abolished. Je lui dis, tu ne peux pas me dire que tous sont abolis. And you just agreed that as a Christian, we shouldn't have any other God. We shouldn't bow to idols. We shouldn't take God's name in vain. Tandis que tu étais d'accord à l'instant qu'en tant que chrétien, qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu en vain, qu'on ne peut pas se prosterner devant les idoles. I said, make up your mind. Je lui ai dit, il faut se décider. Are the laws, are the commandments abolished or not? Est-ce que les commandements sont abolis, oui ou non? He said, yes, they are abolished. Il a dit, oui, ils sont abolis. I said, but you are observing them. Je lui ai dit, mais tu les observes. He said, no, I'm not. Il a dit, non, je ne le fais pas. I said, yes, you are. Je lui ai dit, oui, tu observes. I said, are you married? Je lui ai dit, êtes-vous marié? He said, yes. Il a dit, oui. How many children you got? Je lui ai dit, combien d'enfants avez-vous? He said, three children. J'ai trois enfants. I said, if you commit adultery, is that a sin? Je lui ai dit, si tu commets l'adultère, est-ce un péché? He said, yes. Il a dit, oui. Where did you get that from? Je lui ai dit, où as-tu he cette said, information? In the Bible. Il a dit, dans la Bible. So, brother, je lui ai dit, mon frère, how could it be a sin if that commandment is abolished? Comment cela puisse être un péché si ce commandement est aboli? I said, brother, j'ai dit, mon frère, keep driving. Continue de conduire. Let me show you something. Et laisse-moi te montrer quelque and chose. I spent the time explaining why the devil hates the Sabbath. Et j'ai pris mon temps à lui expliquer pourquoi le diable déteste le sabbat. And I explained to him why he has a problem or his church has a problem with the Sabbath. Et je lui ai expliqué pourquoi lui ou son église ont un problème avec le sabbat. That's why I thank God it took an hour to get to the church. Et c'est la raison pour laquelle j'ai remercié Dieu pour le fait que cela ait pris une heure pour arriver à l'église. Because by the time we got to the church, parce qu'au moment où nous sommes arrivés à l'église, he turned around. Il a tourné. And he said to me, et il m'a dit, Pastor, Pasteur, I'm taking my family out of that church. Je retire ma famille de cette église. I'm not going back. Je n'y retournerai plus. Because I want to honor my God. Parce que je désire honorer mon Dieu. That's what he said. Voilà ce qu'il m'a dit. He said he has been in the church for 24 years. Il a dit qu'il est resté dans l'église durant 24 ans. 24 years. Pendant 24 ans. And he never understood why he cannot keep the Sabbath. Et il n'avait jamais compris pourquoi il ne devait pas observer le sabbat. He said, Pastor, et il m'a dit, Pasteur, I'm going straight home. I'm finished work for today. Je retourne directement chez moi. J'ai fini de travailler and I'm aujourd'hui. Going to put my wife to sit down, et je ferai ma femme s'asseoir. And I'm going to tell her everything I learned today. Et je lui dirai tout ce que j'ai appris aujourd'hui. And I'm not going back to the church. Et je ne retournerai pas à l'église. I said, Brother, find a Seventh-day Adventist church somewhere. Je lui ai dit, mon frère, trouve une église adventiste du septième jour en quelque part. But I made sure and told him, mais je me suis assuré de lui avoir dit, you're not going to find perfect people there, qu'il ne trouverait pas des personnes parfaites là. But you're going to find the truth. Mais que là, il trouverait la vérité. And I said to him, et je lui ai dit, the Bible says, que la Bible déclare, it is the truth that will set you free, que c'est la vérité qui vous affranchira, not the people in the church, pas les gens qui se trouvent dans l'église. Because sometimes the people in the church could tie you up even more. Parce que des fois, les personnes dans l'église peuvent t'enchaîner encore plus. Mm-hmm. But the truth, mais la vérité, will set you free, te libérera. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, I believe, je crois, every Christian tonight who attacks the law of God. Que chaque chrétien ce soir qui attaque la loi de Dieu. They are doing it for one reason. Qu'ils font ça pour une raison. Just one. Juste une raison. The Sabbath of the Lord. Le sabbat du Seigneur. Just that one. Juste cela. And so, ladies and gentlemen, tonight. Ainsi, mesdames et messieurs, ce soir. I would like to deal with three
questions concerning the Sabbath. J'aimerais traiter trois questions au sujet du sabbat. Because we've covered all questions regarding the law of God during the past 3 weeks. Parce que nous avons traité toutes les questions que nous avons eues durant les trois dernières semaines sur la loi de Dieu. The law and grace. La loi et la grâce. But mais it is the Sabbath Christians have a problem with. Mais c'est avec le sabbat que les chrétiens ont un problème. Let me deal with three of the most popular questions I've been asked during the past 4 years. Laissez-moi traiter les trois questions les plus célèbres qui m'ont été posées durant les dernières années. 4 years of debate. Pendant les 4 années de débat. Debating with Christians of many different denominations. C'est-à-dire en débattant avec des chrétiens de diverses dénominations. And I have the Pentecostal commentary right there. Et j'ai le commentaire pentecôtiste juste là avec moi. And you will see, ladies and gentlemen. Et vous verrez, mesdames et messieurs, that these three questions are very important to answer. Que ces trois questions sont très importantes à répondre. Question number one. La première question. This is like the number one question regarding the Sabbath. C'est comme la question primordiale qu'on a au sujet du sabbat. After debating for all these years, après avoir débattu pendant toutes ces années, here is what happens. Voilà ce qui s'est passé. When people have no more defense, lorsque les gens n'ont qu'une autre défense, they have nothing else to ask concerning God's law, et qu'ils n'ont plus rien à demander au sujet de la loi de Dieu, they turn to this question. Il se tourne vers cette question. Let me give you the question. Laissez-moi vous donner la question. They pose this question. Et il pose cette Why question. Is there no command in the book of Genesis to keep the Sabbath? Pourquoi il n'y a aucun commandement dans le livre de la Genèse disant d'observer le sabbat? Anytime you are discussing the law of God, the Sabbath of the Lord, with a Christian, à chaque fois que vous discutez du sabbat, de la loi de Dieu avec un chrétien, and you show evidence from the word of God, et que vous montrez des évidences à partir de la parole de Dieu, and they see the truth, et qu'ils voient la vérité, they could say nothing against it, ils ne peuvent rien dire à l'encontre de cela. They turn to that question. À ce moment-là, ils se tournent vers cette question. Okay. I see what you're saying. I see what you're saying. Je vois ce que tu dis, je comprends. All right. Okay. It's clear. I c'est understand. Clair. Je comprends. But show me in the Bible. Mais montre-moi dans la Bible. Where God commanded Adam and Eve to keep the Sabbath. Où Dieu a-t-il demandé à Adam et Ève d'observer le sabbat? And obviously there is no command there. Et bien sûr, il n'y a aucun commandement là. And because there is no command, et parce qu'il n'y a aucun commandement, that makes them feel very good. Ils se sentent vraiment bien. So immediately they forget all of the evidence that you show them in the Bible. Donc à ce moment-là, immédiatement, ils oublient toutes les évidences que vous leur avez montrées dans la Bible. And they rest in peace because they say, "Oh, well, there is no command given to Adam and Eve." Et à ce moment-là, ils se sentent en paix parce qu'ils se disent bien, il n'y a aucun commandement donné à Adam et Ève. And so since God never commanded Adam and Eve to keep the Sabbath. Ainsi, puisque Dieu n'a jamais demandé à Adam et Ève d'observer le sabbat, it was never made for man. Cela n'a jamais été fait pour l'homme. It was only for Israel. C'était seulement pour Israël. Let's answer this question tonight. Répondons maintenant à cette question ce soir. Why is there no command in Genesis to keep the Sabbath? Pourquoi il n'y a aucun commandement dans la Genèse disant d'observer le sabbat? Here we go. Et nous y allons. There is a command given to Adam. Il y a un commandement donné à Adam. We've been dealing with it all three weeks. Et nous avons traité de cela durant toutes les 3 semaines. Of all the trees in the garden you may eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne pourras pas y toucher. So there is a command there. Ainsi, il y a un ordre là. But there is none concerning the Sabbath. Mais il n'y en a aucun concernant le sabbat. Why? Pourquoi? It's very simple, ladies and gentlemen. C'est très simple, mesdames et messieurs. Why is there a command to eat of all the other trees? Pourquoi y a-t-il un ordre disant de manger de tous les autres arbres?
Why is there a command saying, "Do not eat of the tree of the knowledge of good and evil"? Et pourquoi il y a un ordre disant, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Because, ladies and gentlemen, parce que, mesdames et messieurs, you have the tree of life. Vous avez l'arbre de la vie. But you had an antagonist to the tree of life. Et vous avez un antagoniste à l'arbre de la vie. The tree of the knowledge of good and evil. Il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. Since there was an antagonist to the tree of life, puisqu'il y avait un antagoniste à l'arbre de la vie, which was the tree of the knowledge of good and evil, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, God gave Adam a command. Dieu donna un commandement à Adam. To help Adam focus on the tree of life and all the other trees. Afin d'aider Adam à se focaliser sur l'arbre de la vie et tous les autres arbres. Why? Pourquoi? Because there was another tree there. Parce qu'il y avait un autre arbre là. That he was forbidden to eat from. Lequel il était interdit de manger. And because there was this tree there. Et parce qu'il y avait cet arbre là. A command from God was necessary. Un commandement de Dieu était nécessaire. To inform Adam. Afin d'informer Adam. That while there is the tree of life. Alors qu'il y avait l'arbre de la vie. And he was permitted to eat from it. Et qu'il avait la permission de manger de cet arbre. There was another tree. Il y avait un autre arbre. That was in opposition to the tree of life. Qui était en opposition à l'arbre de vie. And if he ate from that tree, he's going to die. Et s'il mangeait de cet arbre, il viendrait à mourir. So the command given to him, ainsi l'ordre qui lui était donné, was necessary, était nécessaire, because there was an opposition to the tree of life. Parce qu'il y avait une opposition à l'arbre de vie. There is no command to keep the Sabbath. Il n'y a aucun commandement disant d'observer le sabbat. Because at that time, parce qu'à cette époque-là, there was no opposition to the Sabbath. Il n'y avait pas d'opposition au sabbat. If there were an opposition to the Sabbath at that time, s'il y avait une opposition au sabbat à cette époque, an antagonist towards the Sabbath, c'est-à-dire un antagoniste à l'encontre du sabbat, God would have given Adam a command. Dieu aurait donné un commandement à Adam. But there was nothing in opposition to the Sabbath. Mais il n'y avait rien en opposition au sabbat. So a command to keep the Sabbath was not necessary. Ainsi, un commandement disant d'observer le sabbat n'était pas nécessaire. Why? Pourquoi? Because, ladies and gentlemen, parce que, mesdames et messieurs, when God created man, lorsque Dieu créa l'homme, God had put in man, Dieu avait mis en l'homme a desire for God, un désir pour Dieu, a desire for worship, un désir pour l'adoration, and there was nothing in opposition to that. Et il n'y avait rien en opposition à cela. Amen. Amen. And this is why you don't find a command to keep the Sabbath to a given to Adam and Eve. C'est la raison pour laquelle vous ne trouvez pas un commandement disant d'observer le sabbat donné à Adam et Ève. It's just like the command, do not commit adultery. Tout comme le commandement, tu ne commettras point d'adultère. God married them, but there was no command saying, okay, now you're married, don't commit adultery. Dieu les a mariés, mais il n'y avait aucun ordre disant, maintenant vous êtes mariés, ne commettez pas d'adultère. Why? Pourquoi? Because there was no sin. Parce qu'il n'y avait pas de péché. So there was no opposition to marriage. Ainsi, il n'y avait aucune opposition au mariage. Exactly. Clair. Est-ce clair? There was no opposition. Il n'y avait aucune opposition. So a command, do not commit adultery, was not necessary. Ainsi, un commandement disant tu ne commettras point d'adultère n'était pas nécessaire. And so, ladies and gentlemen, ainsi, mesdames et messieurs, if you are asked that question, si cette question vous est posée, you must explain it that way. Vous devez expliquer les choses de because cette manière. It is clear in the word of parce God. Que cela est clair dans la parole de there Dieu. Was no opposition. Il n'y avait pas d'opposition. To the Sabbath, so the law was not necessary. Au sabbat, alors la loi n'était pas but, le commandement n'était pas nécessaire. But, mais when God had his people Israel, lorsque Dieu a eu son peuple Israël, by that time there were many oppositions. To the Sabbath. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'opposition au sabbat. This is why, ladies c'est la and raison gentlemen, pour laquelle, mesdames et messieurs, the command was necessary. Que le commandement était nécessaire. Because there were many oppositions. Parce qu'il y avait beaucoup d'oppositions. There were many gods. Il y avait beaucoup de dieux. So the command, have no other gods, was necessary.
Ainsi, le commandement tu n'auras point d'autre Dieu était nécessaire. There were many idols. Il y avait beaucoup d'idoles. So the command, do not bow to idols, was necessary. Ainsi, le commandement tu ne te prosterneras point devant les idoles était nécessaire. God's name was being taken in vain every day. Le nom de Dieu était prononcé en vain tous les jours. So the command, don't take God's name in vain, was necessary. Ainsi, le commandement tu ne prononceras point le nom de Dieu en vain était nécessaire. And there were oppositions to the Sabbath. Et il y avait de l'opposition à l'encontre du sabbat. This is why the command was necessary. C'est la raison pour laquelle le commandement était nécessaire. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, here is the good news. Voici la bonne nouvelle. Oppositions remain oppositions. L'opposition demeure l'opposition. We don't live by the opposition. Nous ne vivons pas par l'opposition. We live by the position of God. Mais nous vivons par la position de Dieu. And the position of God is this. Et la position de Dieu est celle-ci. I am your creator. Je suis ton créateur. I create the heavens and the earth. J'ai créé le ciel et la terre. Remember the Sabbath day to keep it holy. Souviens-toi du jour du sabbat afin de le sanctifier. And so, ladies and gentlemen, ainsi, mesdames et messieurs, when you love the Lord, lorsque vous aimez le Seigneur, the opposition don't affect you. L'opposition ne vous affecte pas. Why? Pourquoi? He transforms your mind. Parce qu'il transforme votre esprit. So now you think just like Adam. Ainsi, vous pensez tout comme Adam. So in your heart, ainsi, dans votre cœur, there is no opposition to the Sabbath. Il n'y a aucune opposition à l'encontre du sabbat. None. Aucune. Aucune. It's like marriage. C'est comme le mariage. When you're married, lorsque vous êtes marié, there is no other woman. Il n'y a aucune autre femme. It's Naomi and Naomi alone. C'est Naomi et Naomi seulement. No, you say it's Chanel and Chanel c'est alone. C'est Chanel et Chanel seulement. Amen. Amen. This is what God wants. Voilà ce que Dieu désire. That when you walk with him, ladies and gentlemen, et lorsque vous marchez avec lui, mesdames et messieurs, the oppositions don't exist no more. L'opposition n'existe plus. All you see is the will of God. Mais tout ce que vous voyez, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. And so why is there no command? Ainsi, pourquoi il n'y a pas de commandement? In Genesis, to keep the Sabbath. Dans la Genèse, afin d'observer le sabbat. Given to Adam and Eve. Donné à Adam et Ève. Because there was no opposition. Parce qu'il n'y avait aucune opposition. Why is the command necessary today? Pourquoi le commandement est-il nécessaire aujourd'hui? Because Pentecostals oppose it. Parce que les pentecôtistes s'y opposent. Christians oppose the law of God. Les chrétiens s'opposent à la loi de Dieu. They oppose it. Ils s'opposent à elle. They attack it. Ils l'attaquent. This is why. C'est la raison pour God's laquelle law is so powerful. Que la loi de Dieu est si puissante. It's so powerful. Elle est si puissante. That people can't go one day without attacking God's law. Que les gens ne peuvent passer un seul jour sans attaquer la loi de Dieu. But ladies and gentlemen. Mais mesdames et messieurs. Paul said the law is holy, just and good. Que la loi est sainte, juste et bonne. Amen. Amen. In Jesus' name, let's go to question number 2. Dans le nom de Jésus, passons maintenant à la deuxième question. This is, I was actually surprised by this question. Je dois admettre que j'étais surpris par cette question. Is the Sabbath a day or a principle? Le sabbat est-il un jour ou un principe? Is the Sabbath a day or a principle? Le sabbat est-il un jour ou un principe? Here's what the Pentecostal commentary says about that. Voyons un peu ce que les pentecôtistes disent à ce sujet. Whether the Sabbath is a day or a principle. C'est-à-dire soit le sabbat est un jour ou un principe. Let me read. Laissez-moi lire. Their commentary on Mark chapter 2 verse 27. Leur commentaire sur Marc chapitre 2 au verset 27. Where Jesus says the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Là où Jésus a dit que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. I'm going to read it as simple as I can, make it easy for my translator. Et je le lirai de manière simple afin de rendre cela plus facile pour mon traducteur. Here we go. Et nous y allons. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. The Sabbath was instituted by God to be a blessing for humans. Le sabbat fut institué par Dieu afin d'être une bénédiction pour les humains. They don't say the Sabbath pour l'humanité is a blessing. They say it was
Il ne dit pas que le sabbat est une bénédiction, mais il dit que le sabbat était, le sabbat fut une bénédiction. We continue. Et nous poursuivons. On the Sabbath day, on the Sabbath day, durant le jour du sabbat, we must refrain from our daily work. Nous devons nous abstenir de nos œuvres quotidiennes. Sounds good so far. Ça va pour jusqu'ici? Instead, we must worship God on the Sabbath. Mais au lieu, nous devons plutôt adorer Dieu le jour du sabbat. And fellowship with God on the Sabbath. Et être en fraternité avec Dieu durant le jour du sabbat. And get physical and spiritual strength. Afin d'obtenir la force physique et spirituelle. But listen to the last line. Mais écoutez la deuxième, ce que dit la deuxième ligne. Those who ignore the principle of the Sabbath, ceux qui ignorent le principe du sabbat, do so at their own ruin. Font cela pour leur propre ruine. Principle. Le principe. So for them, it is just a principle. Donc pour eux, c'est juste un principe. And if it is a principle, et si c'est juste un principe, then you can keep the Sabbath whenever you wish. Ainsi, vous pouvez observer le sabbat comme bon vous semble. Because it's just a principle you live by. Parce que vous vivez juste par un principe. That's it. Et c'est tout. So they pose the question now, is it a day or is it a principle? Ainsi, ils posent la question maintenant, est-ce un jour ou un principe? And the reason they say so is this. Et la raison pour laquelle ils disent cela est celle-ci. Why they believe that? Go to Genesis, you will see. Pourquoi ils croient cela? Je vous invite à aller dans la Genèse et vous verrez. Let me show it to you very quickly. Laissez-moi vous montrer cela très rapidement. Très rapidement. Verse 2. Genesis chapter 2, verse 2. Genèse chapitre 2, verset 2. 2 and 3, verses 2 and 3. En fait, verset 2 et 3. There it says. Et il est dit. On the seventh day, God ended his work which he had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it because that in it he had rested from all his work which he had created and made. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. You want to know where the concept of the Sabbath being a principle came from? Vous voulez savoir d'où vient le fait que le sabbat est considéré comme un principe? Where that concept came from? D'où vient ce concept? Right there. Juste là. Why? Pourquoi? Let me explain. Laissez-moi vous expliquer. From day 1 to day 6 in creation, du premier jour jusqu'au sixième jour de la création, every day ended with, and the evening and the morning were first day. Tous les jours commençaient par il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier first jour. Day, or evening and the morning. Second day. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour. So here is their reasoning. Here is their reasoning. Ainsi, voici leur raisonnement. From day one to day six, du premier jour au sixième jour, these were 24-hour periods. Il s'agissait d'une période de 24 heures. Why? Pourquoi? Because they ended with the phrase the evening and the morning. Parce que les jours finissaient avec cette phrase, il y a un soir, il y a un matin. But mais when you get to the seventh day, lorsque vous arrivez au septième jour, there is no evening and morning. Il n'est pas mentionné, il y a un soir et il y a un matin. You see that in the Bible? Yeah. Vous voyez cela dans la Bible? Non? Yeah, ouais. It's not there. Ce n'est pas là. So their reasoning is this. Ainsi, leur raisonnement est celui-ci. Since from the first day to the sixth day, we have evening and morning. Que puisque du premier jour jusqu'au sixième jour, nous avons il y a un soir, il y a un these matin. These were bona fide 24-hour periods. Et que cela a donné une période de 24 heures. But since the seventh day doesn't end with evening and morning. Mais puisque le septième jour ne se termine pas avec il y a un soir, il y a un matin. That means cela signifie it's not a real day. Que ce n'est pas un
a real day. Ce n'est pas un véritable jour, ce n'est pas un vrai jour. It's a principle. Mais c'est juste un principe. That's how they reason it. Voilà comment ils raisonnent. That's what they've been telling me for 4 years. Voilà ce qu'ils me disaient durant 4 ans. The Sabbath is just a principle. Le sabbat c'est juste un principe. It's not a day. Ce n'est pas un jour. Because in Genesis it has no evening and it has no morning. Parce que dans la Genèse, il n'est pas mentionné il y a eu un jour, il y a eu un matin. How do you respond to that? Comment répondons-nous à cela? Well, bien. By the inspiration of the Spirit. Par l'inspiration de l'Esprit. By the wisdom of God. Par la sagesse de Dieu. We want to explain it to you. Nous voulons vous expliquer cela. We have nothing in us, it is all by the Spirit of God. Nous n'avons rien en nous, mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, it is true, il est vrai, that the seventh day doesn't end with evening and morning. Que le septième jour, lorsqu'il est parlé du septième jour, il n'est pas fait mention, il y a eu un soir, il y a eu un matin. That's true. C'est vrai. But does that mean it's not a real, it was never a real day? Mais est-ce que cela signifie pour autant qu'il ne s'agissait pas d'un jour réel? Because they say, parce qu'ils disent, God, the Sabbath is any day you want because God never stopped keeping Sabbath since that day. Ils disent que le sabbat c'est peu importe le jour ou que vous voulez parce que Dieu n'a jamais cessé de So observer le when sabbat. He rested, ainsi lorsqu'il s'est reposé, since back then, depuis là, depuis since there was no, since there's no evening and morning, puisqu'il n'y avait pas de, il y a un jour, il y a un matin, he's still resting even today. Il se repose jusqu'à aujourd'hui. Here is the explanation. Et voici leur explication. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. For a day to receive the title as a day, pour qu'un jour reçoive le titre d'un jour, evening and morning must exist. C'est-à-dire que soir et matin doivent exister. This is why when you read in Genesis, you say the evening and the morning were the first day. C'est la raison pour laquelle nous lisons dans le livre de la Genèse qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. That means, cela signifie, watch my hand now, regardez mes mains maintenant. This is day, il s'agit là du jour. For day to come into existence, pour que le jour arrive à existence, you must have evening and morning. Vous devez evening avoir and morning. Soir et matin. So when you have evening and morning, ainsi lorsque vous avez soir et matin, you have day. Vous avez un jour. First day. Premier jour. Then you have another evening and morning. Ensuite, vous avez un autre soir et matin. And then you have second day. Et ensuite, vous avez et cela donne le deuxième jour. That means. Cela signifie. The moment you see the word day in Genesis. Au moment où vous voyez le mot jour dans la Genèse. You have to know that an evening and a morning came into existence. Vous devez savoir que un jour, un soir et un matin sont vers à l'existence. Are you understanding that? Est-ce que vous comprenez cela? Yeah, you got it. Yeah. Vous comprenez? Yeah. Comprenez? Same clarinet. Now. Maintenant. Let me say it again for the children. For the children. Laissez-moi répéter ceci pour les enfants. Les children, enfants. Les enfants. In Genesis. Dans la Genèse. We don't have a day unless there is evening and morning. Nous n'avons pas de jour à moins qu'il y ait le soir et le matin. We don't have the second day unless there is another evening and morning. Nous n'avons pas le deuxième jour à moins qu'il y ait le soir et le matin. That means, cela signifie, when you read in Genesis 1 and 2, you read and you see a day. Cela signifie que lorsque vous lisez dans Genèse 1 et 2 et que vous voyez qu'il est mentionné un jour, you have to keep in mind that an evening and a morning came together. Vous devez garder à l'esprit qu'un soir et un matin vinrent ensemble. Why is that important? Pourquoi est-ce important? Because when you get to the seventh day, parce que lorsque vous arrivez au septième jour, it begins like this. Cela commence comme verse, ceci. Chapter 2, verse 2 says, c'est-à-dire le chapitre 2, verset 2 déclare, and on the seventh day, et que durant le septième jour, seventh day, au septième jour, I'll say it again for emphasis, et je le répète, en, the seventh day, je le répète pour mettre l'emphase dessus, le septième jour. So when you see
seventh day. Ainsi, lorsque vous voyez septième jour. That's because there were six other days before that day. Cela signifie qu'il y avait six autres jours avant ce jour en question. Also, et également, there were six evening and mornings. Et il y avait également six soirs et matins. Mm-hmm. Oui. If you have 6 days because you had six evening and mornings. Ainsi, si vous avez six jours parce que vous avez six soirs et matins. If you're going to have a seventh day, si vous venez avoir un septième jour, then it's obvious you have a seventh evening and morning. Ainsi, cela est évident qu'il y a un septième soir et matin. Is that clear? Est-ce clair? So then, ladies and gentlemen, ainsi, mesdames et messieurs, the Sabbath, le sabbat, is not a principle. N'est pas un principe. It is a day. Mais c'est un jour. God didn't bless the earth with a principle. He blessed the earth with a day. Dieu n'a pas béni la terre avec un principe, mais il a béni la terre avec un jour. He didn't bless the earth with the principle of the Sabbath. He blessed the seventh day and made it the Sabbath. Il n'a pas béni la terre avec le principe du sabbat, mais il a béni le septième jour et il a fait de lui le sabbat, le Amen. Jour du sabbat. The Bible says, la Bible déclare, God rested on the seventh day. Que Dieu s'est reposé durant le septième jour. Not God rested in the seventh principle. Il n'est pas dit que Dieu s'est reposé au septième principe. The seventh day. Mais le septième jour. Amen, ladies and gentlemen. Amen, mesdames et messieurs. Mm-hmm. Mm-hmm. Say amen. Dites amen. And so, ladies and gentlemen. Ainsi, mesdames et messieurs. The Sabbath. It's not a principle. Le sabbat n'est pas un principe. It is the Sabbath day. Mais il s'agit du jour du sabbat. Amen. Amen. Mm-hmm. Mm. Something just came to my mind. Let me just say it to you since you have nowhere to go. Quelque chose vient de me venir à l'esprit. Laissez-moi vous le dire avant que vous rentrez chez vous. Why would God bless the earth with a holy day, the seventh day? Pourquoi Dieu a-t-il béni la terre avec un jour, le septième jour? Why did he make the seventh day holy? Pourquoi a-t-il sanctifié le septième jour? Well, during the debate, this is what they said to me. Ainsi, durant le débat, voilà ce qu'ils m'ont dit. They said, ils m'ont dit, God could do whatever he wants. Dieu peut faire comme bon lui semble. That's what they said. Voilà ce qu'ils m'ont dit. They said, God did it for himself. Dieu l'a fait pour lui-même. I disagree. Je ne suis pas d'accord. You know why? Vous voulez savoir pourquoi? God doesn't live within the realm of time. Dieu n'est pas soumis au temps. God exists in eternity. Mais Dieu existe dans l'éternité. The Bible says, la Bible déclare, he's from everlasting to everlasting. Qu'il va il est d'éternité en éternité. It is man who exists within the realm of time. Mais c'est l'homme qui est soumis au temps. Man, not God. L'homme et non Dieu. Mm-hmm. In fact, everything from the time of Adam till today is in front of God as if it happened now. Ainsi, tout ce qui se passe du temps de l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui est devant lui comme si ça se passait maintenant. Mm-hmm. God has no yesterday and God has no tomorrow. Dieu n'a pas d'hier et il n'a pas de demain non plus. Everything is in front of him as if it's happening now. Mais tout se trouve devant lui comme si cela se déroulait maintenant. And so, ladies and gentlemen, ainsi, mesdames et messieurs, God doesn't need 24 hours. Dieu n'a pas besoin de 24 heures. He is eternal. Parce qu'il est éternel. So if he blessed the seventh day, ainsi, s'il a béni le septième jour, he did it for you. Il l'a fait pour vous. Because you exist within the realm of time, not God. Parce que vous vivez dans le contexte du temps et non Dieu. And why did God make the seventh day holy? Et pourquoi Dieu a-t-il sanctifié le septième jour? When he is already holy. Alors que lui, il est déjà saint. In heaven is a holy place. Et que le ciel est un lieu de sainteté. If God blessed the seventh day.
Si Dieu a béni le septième jour and made it holy, et l'a sanctifié, it's not for him. Ce n'est pas pour lui. He did it for you. Mais il l'a fait pour vous and me, et moi. Because we live within the realm of time. Parce que nous, nous vivons dans le contexte du temps. And why did he do it like that, ladies et pourquoi and gentlemen? L'a-t-il fait ainsi, mesdames et messieurs? Because parce que when God created man, lorsque Dieu créa l'homme, God wanted man to know who he is. Dieu voulait que l'homme sache qui il est. It's the same thing parents do with their kids. Et c'est la même chose que les parents font avec leurs enfants. When you're talking to your little babies, lorsque vous parlez à vos petits bébés, mm-hmm, like when you get your first baby, si, lorsque tu auras ton premier enfant, mm-hmm, hopefully it's one and not four at the same time. Et espérons qu'il s'agira d'un et non quatre en même temps. Mm-hmm. Hey, even though if it's four, that's fine. Oh, t'inquiète pas, même si c'est quatre, ça ira. When you're speaking to a child, lorsque vous parlez à un enfant, as an adult, en tant qu'adulte, you don't speak to the child, hey, how are you doing? What do you think about the politics in France? Vous ne parlez pas à un enfant ainsi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu penses de la politique française? Mm-hmm. You think we should take the COVID vaccine? Hein? Tu penses qu'on devrait prendre accepter le vaccin du no, COVID? No, that little child will just watch you there and then vomit. Cet enfant va juste vous regarder et puis il vomira devant vous. That's what they do. Voilà. So how do we communicate with them? Ainsi, comment communiquons-nous avec les enfants? We bring ourselves down. Nous faisons petit, nous diminuons. And we say hello, pouti, pouti. Et nous faisons hello, pouti, pouti. And you see them. Et vous les voyez? And you play with them. Et vous jouez avec what eux. Is happening? Et que se passe-t-il? Because you're doing that, there is now connection. Parce que vous faites cela, il y a maintenant une connexion. This is why when you read in Genesis, c'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez la Genèse, you see it says God was doing what? God was walking in the garden. C'est la raison que vous voyez qu'il est dit que Dieu faisait quoi? Dieu marchait dans le jardin. What did God do? Qu'est-ce que Dieu Dieu faisait-il? How could a mighty God walk in a little puny little garden? Comment un Dieu tout puissant peut-il marcher dans un petit jardin? Because God wanted to connect with man. Parce que Dieu désirait se connecter avec l'homme. And this is what he did for the Sabbath on the Sabbath day. Et voilà ce qu'il fit pour le sabbat. God is eternal. Dieu est éternel. But the Sabbath is a little puny 24 hours. Mais le sabbat c'est juste une petite période de 24 heures. What did God do? Qu'est-ce que Dieu a-t-il fait? God fit himself within the 24 hours. Dieu s'est ajusté dans les 24 heures. So that man could connect with his creator. Afin que l'homme puisse se connecter avec son créateur. Not as the way he did on the sixth day, et non de la manière dont il fit pour les six jours, but in holiness, mais dans la sainteté, and worship God as the angels worship God, et afin qu'on puisse adorer Dieu comme les anges adorent Dieu. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, this is why the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. C'est la raison pour laquelle le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Why? Pourquoi? It was God who took the initiative. Parce que c'est Dieu qui a pris l'initiative. To bring himself down so that we could connect with him in worship. De se diminuer afin que nous puissions communier avec lui dans l'adoration. So holiness, which is eternal, God brings a little bit of that on the Sabbath day. Ainsi, la sainteté qui est immense, Dieu a apporté un petit morceau de cela dans le septième jour. And he has never stopped. Et il n'a jamais arrêté. The seventh day is still holy. Le septième jour est toujours un jour saint. Let's deal with the final question. Traitons maintenant de la troisième question, la dernière. Is the Sabbath one day in seven or the seventh day? Le sabbat est-il un jour parmi les sept ou le septième jour? That's very easy. C'est très facile. Here's what Pentecostal commentary says. Voilà ce que le commentaire pentecôtiste déclare. Verse 27. Le verset 27. The weekly Sabbath means rest. Le sabbat hebdomadaire signifie le repos. It was the seventh day of the week set aside by the law of Moses. C'était le septième jour mis à part pour by the law of Moses. Par la loi de Moïse. The seventh day was set aside for the worship of the Lord. Le septième jour fut mis à part pour l'adoration du Seigneur. Mm-hmm.
There are strong reasons to believe that the principle of the Sabbath have permanent validity. Il y a de fortes raisons permettant de croire que le principe du sabbat a une validité permanente. For all Christians. Pour tous les chrétiens. And listen to this. Et écoutez ceci. For this reason, pour cette raison, we should set aside one day in seven to rest and worship God. Nous devons mettre à part un jour parmi les sept afin d'adorer Dieu. So is the Sabbath one day in seven, or is it the seventh day? Ainsi, est-ce le sabbat un jour parmi les sept, ou est-ce le septième jour? It's both. C'est les deux. Is the Sabbath one day in seven, or is it the seventh day? Est-ce le sabbat un jour parmi les sept, ou est-ce le septième jour? It's both. Il est les deux. The Sabbath can be one day in seven. Le sabbat peut être un jour parmi les sept. You can choose any day you want within the week as the Sabbath. Vous pouvez choisir n'importe quel jour parmi les sept comme sabbat. And nothing is wrong with that. Il n'y a rien de mal avec cela. Just keep a few things in mind. Mais gardez juste certaines choses à l'esprit. Number one, premièrement, it will be your Sabbath. Il s'agira de votre sabbat, not God's Sabbath, mais pas celui de Dieu. Number two, deuxièmement, it will not be a holy day. Il ne s'agira pas là d'un jour sanctifié. Because you do not have the power to make a day holy. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de sanctifier un jour. And number three, et troisièmement, you have created nothing in order to make a day holy. Vous n'avez rien créé pour vous donner le droit de sanctifier un jour. So if you want a day in seven, you can do that. Ainsi, si vous voulez un jour parmi les sept, vous pouvez faire cela. But it will be your Sabbath. Mais il s'agira là de votre sabbat. It will not be holy. Il ne sera pas saint. And you have no authority because you made nothing prior to the Sabbath. Et vous n'avez aucune autorité de faire cela parce que vous n'avez rien fait, rien créé. The Sabbath. Le sabbat. Is also the seventh day. Est aussi le septième jour. But this day, mais ce jour, is God's day. C'est le jour de Dieu. Not yours. Pas le vôtre. And it is holy. Et il est saint. Because God made it holy. Parce que Dieu l'a sanctifié. And God has the authority to make the seventh day holy. Et Dieu a l'autorité nécessaire pour sanctifier le septième jour. Because God created everything within six days. Parce que Dieu a créé toutes choses durant six jours. If your church wants to make Sunday the Sabbath day, si votre église désire faire du dimanche le septième jour, then your church has to prove that it created everything since the last six days. Ainsi, votre église doit prouver qu'elle a créé toutes choses durant les six jours. Your pastor has to prove that they have the authority to make a day holy. Votre pasteur doit prouver qu'il a l'autorité nécessaire pour sanctifier un jour. So if you want one day in seven, you can go ahead and do that. Ainsi, si vous voulez un jour parmi les sept, vous pouvez aller de l'avant et faire but cela. But it will be your Sabbath. Mais il s'agira là de votre sabbat. We're not concerned with your Sabbath. Et nous ne sommes pas intéressés par votre sabbat. Because you cannot make it holy. Parce que vous ne pouvez pas le sanctifier. You are not the creator. Vous n'êtes pas le créateur. We will worship God on the seventh day. Et nous adorons Dieu le septième jour. Because the Sabbath of the Lord, parce que le sabbat du Seigneur, is not one day in seven, n'est pas un jour parmi les sept, but the seventh day. Mais le septième jour, your Sabbath, votre sabbat, is one day in seven, est un jour parmi les sept. It could be Monday, Tuesday, any day you want. Il peut s'agir de lundi, mardi, comme vous semble. Comme vous voulez. Allez, allez, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. But the Sabbath of the Lord, mais le sabbat du Seigneur, that day, ce jour, is the seventh day, c'est le septième jour. Because on that day, parce que durant ce jour, God rested, Dieu s'est reposé. He blessed it, il a béni he ce jour. Made it holy, et il a sanctifié. And he said, et il a dit, remember the seventh day to keep it holy. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, that's it. C'est tout. These are the most
popular questions concerning the Sabbath. Il s'agit là des questions les plus populaires au sujet du sabbat. And we've tried to answer them tonight. Et nous avons tenté d'y répondre ce soir. What's the conclusion? Quelle est la conclusion? Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. To reject the law of God is to reject his authority. Le fait de rejeter la loi de Dieu, c'est rejeter son autorité. God has the authority to determine what sin is and the authority to determine what is righteous. Dieu a l'autorité nécessaire pour déterminer qu'est-ce que le péché et l'autorité nécessaire pour déterminer qu'est-ce que c'est que la justice. This is why the law has prohibition and righteousness. C'est la raison pour laquelle la loi est composée d'interdiction et de justice. Sin is going against the prohibitions of the law. Le péché va à l'encontre des interdictions de la loi. But righteousness. Mais la justice. Is having the righteousness of the law fulfilled in you. C'est le fait d'avoir la justice de la loi accomplie en vous. And only God has that authority. Et seul Dieu a cette autorité. What are you going to do? Quelle sera votre décision? Here is our advice to you tonight. Voilà notre conseil pour vous ce soir. Since you've heard God's voice, do not harden your heart. Puisque vous avez entendu la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. You know the truth now. Vous connaissez la vérité maintenant. And on the 3rd of April, et le 3 avril, we are going to plan a baptism ceremony here. Nous aurons une cérémonie de baptême ici. Call the number you see on this screen. Appelez le numéro que vous voyez s'afficher à l'écran. And say, I want to be baptized. Et dites, je désire être baptisé. Come out of error. Sortez de l'erreur. Come out of Babylon. Sortez de Babylone. And come and follow the truth. Et venez, suivez la vérité. Take the truth. Acceptez la vérité. Love the Lord. Aimez le Seigneur. And keep his commandments. Et observer ses commandements. Before we have the appeal song, avant d'avoir le son d'appel, God just put something on my heart to tell you. Dieu vient juste de mettre quelque chose dans mon cœur afin que je le partage Somebody avec vous. Listening to this message right now, il y a quelqu'un qui écoute le message maintenant. You are saying, et vous vous dites, ah, but Jesus says he gave us a new commandment. Ah, mais Jésus a dit qu'il nous a donné un nouveau commandement. Love the Lord with all your heart. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. So the new commandment is love the Lord. Ainsi, le nouveau commandement, c'est aimer le Seigneur. And love others. Et aimer les autres. So we have to forget the Ten Commandments. Ainsi, nous devons oublier les 10 commandements. And just love, it's just love. Et nous contenter d'aimer, nous contenter d'aimer. But listen to what Jesus says. Mais écoutez ce que Jésus dit. He says, love others as I love one another as I have loved you. Il a dit, aimez les autres comme moi je vous ai aimé. This is why it's new. Voilà pourquoi c'est nouveau. It was new to them. C'était nouveau pour eux. Because what they learned before that was this. Parce que ce qu'ils avaient appris avant cela, c'était ceci. Love others as you love yourself. Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. Jesus came and Jesus says, Jésus est venu et leur a dit, You can't even love yourself. Vous ne pouvez même pas vous aimer. Love others. Aimez les autres. As I have loved you. Comme moi je vous ai aimé. That's what makes it new. Et voilà ce qui rendait ce commandement Because nouveau. Now they have to love others Parce que maintenant ils devaient aimer les autres. The way Jesus loved them. Tout comme Jésus les aimait eux. And that's what made it new. Et voilà ce qui rendait ce commandement nouveau. And the same Jesus says, et ce même Jésus a dit, If you love me, si vous m'aimez, keep my commandments. Gardez mes commandements. Some people say, oh, when Jesus says, if you love me, keep my commandments, he was talking about the commandment to love. Et certaines personnes disent que lorsque Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il parlait des commandements qui disent d'aimer. No, he's talking about the Ten Commandments. Non, il parlait des 10 commandements. Why? Pourquoi? The commandment to love is one, but Jesus says, keep my commandments,
Parce que le commandement d'aimer, c'est un seul. Mais Dieu a dit, gardez mes commandements. Il s'agit là d'un pluriel. Which means, ce qui signifie if you truly love Jesus, que si vous aimez Jésus sincèrement, the righteousness of the law will be fulfilled in you. La justice de la loi sera accomplie en vous. That love, et cet amour, he says, déclare, the same way I love you, tout comme je vous ai aimé, love others with that love. Aimez les autres avec cet amour. Because your love, parce que votre amour is not good. N'est pas bon. Follow my love. Suivez mon amour. Tonight, ce soir, call that number. Appelez ce numéro. We're planning baptism for the 3rd of April. Nous organisons une cérémonie de baptême pour le 3 avril. Give your life to the truth. Donnez votre vie à la vérité. And the truth will set you free. Et la vérité vous affranchira. Foi me rend libre.
foi me rend libre par la foi. One of the most difficult things for us to do is obey God. L'une des choses les plus difficiles à faire pour nous, c'est d'obéir à Dieu. This is all God had asked Adam and Eve to do. Il s'agit de là de tout ce que Dieu demanda à Adam et Ève de faire. Obey. Obéir. They disobeyed. Mais ils ont désobéi. Up till today, et jusqu'à ce jour, Christians refuse to obey God. Il y a des chrétiens qui refusent d'obéir à Dieu. In the Garden of Eden, these were Adam and Eve were the children of God. Dans le jardin d'Éden, ils n'étaient que deux. Adam et Ève étaient les enfants de Dieu. And they disobeyed. Et ils désobéirent. And today, et aujourd'hui. The problem in the world is not with non-Christians. Le problème d'aujourd'hui is not with non-Christians. N'est pas avec aucun chrétien. Non-Christians. Les non-chrétiens. The problem is not with those who are not Christians. Le problème n'est pas avec les non-chrétiens. It is with Christians. Mais c'est avec les chrétiens. Are you one of those Christians who refuse to obey God? J'avertis ces chrétiens qui refusent. Are you one of those Christians? J'ai connu l'un des chrétiens qui refusait d'obéir. Are you one of those who reject the law of God? Es-tu l'un de ces chrétiens qui refuse d'obéir Dieu? If you are one of them, si vous êtes l'un d'entre eux, then you're taking God's name in vain. À ce moment-là, vous prononcez le nom de Dieu en vain. Repent tonight. Repentez-vous ce soir. Who's obedient. Et choisissez l'obéissance. Love him. Aimez-le. And keep his commandments. Et observez ses commandements. Call the number on your screen. Appelez le numéro qui s'affiche à l'écran. It's 0696. C'est 06 96 615332 61 53 32. Call that number. Appelez ce numéro and get baptized on the 3rd of April. Et faites-vous baptiser le 3 avril. And let us preach the truth together. Et prêchons la vérité ensemble. Let us pray. Je vous invite à prier. Our Heavenly Father, notre Père qui est aux cieux, into your hands we commit these messages. Entre tes mains, nous laissons ces messages. They are online and they will stay there forever. Ils sont en ligne, ils resteront là pour toujours. Bless men and women to hear the truth. Bénis les hommes et les femmes et qu'ils aient l'opportunité d'entendre la vérité. Bless men and women to submit to the truth. Bénis les hommes et les femmes afin qu'ils se soumettent à la vérité. And let your word continue to work. Et que ta parole continue à œuvrer. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. See you the next time we have a campaign. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois que nous aurons une campagne. Amen. Amen. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier
Alors, vous avez l'impression que la vie est finie? Pas finie. Parce que le numéro 06-96-61-53-32, gardez-le encore. Encore une semaine pour les demandes d'écoute, les demandes de prière, mais aussi pour les demandes de baptême. Si toutefois, vous n'avez pas encore été prêt pour le samedi 3, nous pourrons organiser une cérémonie de baptême après le 3 avril pour vous. Même si vous êtes une personne, on va continuer à travailler avec vous, à étudier, et quand vous serez prêt, nous pourrons organiser une autre cérémonie de baptême après le 3 avril. Nous vous disons au revoir.
Restez courageux. C'est maintenant que commence une nouvelle vie avec Jésus, une nouvelle vie du style spirituel, une nouvelle vie de courage et d'étude de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, internautes, et vous qui êtes ici présentiel, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons, bien sûr, à bientôt. Vous pouvez encore rester connecté, puisque après vous aurez des messages. Sabbat prochain, vous aurez des messages qui seront légèrement différés. Mais vous serez toujours nourri sur la chaîne Adventiste Californie. Vous serez toujours nourri par la grâce de Dieu. Nous vous disons donc bonsoir et restez connectés à Jésus. Amen.